Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien chez Hesenko qui vous présente aujourd'hui le 9e épisode d'Harry Potter Lego console de salon, mais cette fois sans la Wiimote parce que celle-ci a décidé de ne point fonctionner. C'est la joie, je joue avec une manette de Xbox sur une Wii, je vous dis même pas la galère. Ah, bonjour, tu ne veux plus bouger? Eh ben il ne veut plus bouger. Ça va être la bonne nouvelle, moi, devoir recommencer l'émulation. Non, si, c'est bon. Ok. Bref, c'est un enfer, vous imaginez même pas. Je peux même pas jouer avec les boutons X, Y, B, H. Je suis obligé de jouer avec les gâchettes. Parce que je suis censé avoir une Wiimote avec un nunchuck. Comment je saute? Le A. C'est A? Ouais, c'est A. Putain, je dois jouer avec les gâchettes. Vous imaginez même pas l'enfer que c'est. C'est nul. Comment je reviens en arrière? B. Ah non, B c'est la gâchette du bas. Ok, donc là on est pour la deuxième année, donc on se démarre probablement vers le quatrième niveau. Excusez-moi si je parle pas très très fort, je suis pas chez moi là actuellement, je suis en vacances. J'essaye juste de pas déranger les autres. Ah. Bonjour. Et paf. Freeze. Elle est frisée. Dans les toilettes. Je sais pas. Viens. Oh, c'est pas drôle. Là, j'ai rien fait de drôle. C'est dommage, j'aurais dû fermer ma bouche. Bref, pourquoi je parle pas très fort non plus? Parce que là, j'ai fait un test micro. Je sais pas pourquoi il me gueule dans les oreilles. Je sais pas. Donc, j'ai peur que ce soit hyper fort le son de ma voix. Je me suis explosé les oreilles en tentant de. En faisant les tests. Eh oh. Ah, ça marche. Donc ça, c'est bon. Ok. Non, bon, bah, des fois, je sais pas pourquoi mon Nunchuck a décidé. Ma manette a décidé qu'elle ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc. Ah, bonjour le bateau. Bref, donc pour tirer. Pour tirer, c'est. RT, donc c'est une gâchette, et pour sauter, c'est une autre gâchette. Je vous raconte même pas l'enfer que c'est. Pourquoi j'ai ouvert le menu? Attends, ce bouton-là, c'est le menu. Merde. C'était pas... Je pense que j'ai dû me tromper dans la configuration des boutons. Ou alors, j'ai pas compris à quoi ça servait. Donc ça, c'est le menu pause. Oh bah pourquoi pas, après tout. Je croyais que c'était censé être les vibrations de la manette, ce bouton-là, mais bon. On va pas se poser de questions, hein, je peux pas m'en permettre. Oh, bonjour, un fantôme. Bref, ah bah il est là, mon téléphone. Ah, je suis arrivé plus à le retrouver. Il était posé à côté de moi. Voilà, j'allais me dire, ça a bugué longtemps. J'ai toujours peur quand ça bug, parce que... Ça veut dire que l'émulateur va peut-être pas marcher parfaitement. Et hop, un run en moins. Bah t'es gentil normalement, je croyais. Eh, c'est bien, je comprends quand même, j'arrive quand même à peu près... Waouh. Ça lag beaucoup même. J'arrive à peu près à comprendre les boutons, c'est une bonne nouvelle. Ça pareil, je sens que ça va être un tout petit niveau. Mais non, c'est pas ce bouton. Bah si, c'est ce bouton là. Mais... Non, c'est pas ça. Alors, comment je fais pour renvoyer les attaques? Ah, c'est peut-être Z. Ok, c'était Z. Je me suis trompé. Mais... Ah, elle est là. Ouais, c'est la torture. Je refais... Eh, ça, c'est bâtard d'avoir mis le bouton de viser, le bouton de sort pas au même endroit. Eh, elle est en train juste de détruire les toilettes. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Bon, au moins, ça marche, hein. Ça marche plutôt tranquille. Bon, alors,
C'est bon, t'as assez détruit les toilettes. Surtout si c'est... Aïe! Surtout si c'est que ça le niveau. Si c'est que moi qui dois t'envoyer des trucs. D'accord, ça j'ai compris, les trucs en métal, je ne peux rien en faire. Ah oui, elle lance des chiottes carrément. Par contre, elle arrive pas à viser avec les trucs en métal. C'est l'avantage. Yay, ça va être long, hein. Si c'est ça 4 fois... Puis c'est le tir vite. Ouais Ron, ça sert à rien d'avoir peur. Et voilà. Bon, bah c'est un peu répétitif. D'accord, on peut la tirer plusieurs fois. Oh. Ouf. Oh mon dieu, c'était un Death Note. Oh mon dieu. Bonjour. C'est Justin Bieber du coup. Je sais que c'est toi, Justin Bieber. Non, c'est pas moi. J'adore comment ils ont la même tête, Justin, j'ai oublié son nom, et Tom Jedusor dans ce jeu. Bonjour Voldemort. Mais pourquoi est-ce que lui, il est censé être en deuxième année, pourquoi est-ce que lui, il a le sort de destruction de l'univers, et pas moi? Ils se sont dit quoi, c'était une idée de merde à la fin? J'ai dit ouais, on va peut-être arrêter de donner des sorts qui détruisent l'univers à des adolescents. Hop, c'est comme ça pour sauter. Yay. Non, c'est l'autre bouton. Eh, j'y arrive pas, hein. Déjà que c'est compliqué de comprendre avec 1 et 2. Alors, je te dis même pas... Bon, bah, c'est pas le bouton A. Non, c'est bouton Z. Je te dis même pas la galère que c'est quand en plus c'est même pas les bons boutons qui sont affichés. Je sais pas pourquoi ma Dolphin Bar a dit ah non, je ne fonctionnerai pas. C'est décidé, tu te démerdes, je te laisse te débrouiller tout seul, moi je ne fonctionnerai pas. Allez Tom. Tom, pourquoi est-ce que tu n'as pas... J'ai oublié. Oh tiens, des pièces. Faut peut-être que je finisse une phrase moi, parce que sinon ça va très vite être galère. Je disais quoi du coup? Bah pourquoi tu n'as pas souffert comme tous les autres, Tom? Tu aurais dû... Attends, c'est bon, ça je l'ai déjà. Ah, j'ai bien repéré où était le bouton Z, j'ai encore du mal avec le bouton A et le bouton B par contre. Hein. Attends, mais on est toujours dans le même niveau là? Ah bah oui, visiblement, ouais. Ah, c'est la galère. Oh, c'est la galère. C'est la giga galère. Ah d'accord. Oh pourquoi pas après tout. Attendez. Ah ça m'énerve quand ça fait ça. Ouais de l'argent. Il peut Tom ou pas? Est-ce qu'il est intelligent Tom? Non visiblement il n'a pas bien suivi les cours Tom. C'est dommage pour lui. Non, je veux l'autre, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Tom, tu casses tes couilles, t'es dedans. Non, pousse-toi, Tom. Voilà, c'est bien. Tom, il a compris. Fallait pas... Mais non. Bon, tant pis, je laisse comme ça, parce que sinon, c'est trop la galère. De toute façon, c'est trop la galère, alors je vais pas... Bon.
pourquoi il est pas dans le passé? Ah bon, ça sert à rien. Ouais, non, je vais pas me taper un truc qui crie alors. Pourquoi est-ce que la plante est pas dans le passé? Pourquoi moi je suis dans le passé et pas elle? Non, d'accord, y a rien à faire ici. Oh, j'y arrive pas. Je suis désolé, j'arrive pas à me rappeler où est le bouton A. Ah. D'accord, merci Tom, c'était gentil de ta part. C'était bien tenté. Yay, une fleur. Tom, rouvre-le-moi, s'il te plaît. Ah d'accord. Vieille, je suis trop le fort. Non, t'en veux le bouton. Et là, ça va tous les ouvrir, c'est ça. Ah, mais est-ce que Tom, il peut faire ça ou pas, du coup? Faut que j'arrête de l'appeler Tom, c'est un manque de respect, genre flagrant. Mais est-ce que Tom peut faire ça? C'est un coffre, ça, on est d'accord que c'est... Non, c'est pas un coffre. Ah non, c'était pas un coffre. Mais je l'avais... Ah non, je l'ai fait à côté. Ok. C'est Tom le plus fort, alors c'est Tom qui va tirer le bâton, le truc, je sais plus. Enfin même, je devrais arrêter de l'appeler Tom, je vais l'appeler Justin. Parce que, bordel, il a la même tête que lui. Donc, nous sommes avec Harry et Justin. Non, s'il te plaît, c'est pas toi que je veux. Ça, alors faire ça avec une manette de Xbox, je dis même pas l'enfer que c'est. Parce que je pense que m'entendre me plaindre vous suffit largement. Je me plains beaucoup. Hop là. Meurs. Yay. Meurs. Ouais. Le meurtre, c'est Gryffondor. C'est pas bon. Il est toujours fort au Tom ou c'est plus... il est plus fort? Non, il est plus fort. Merde, Tom n'est plus fort. Enfin, Justin. Enfin, oh, allez vous faire foutre. Je sais pas, j'ai aucune idée de comment je vais appeler ce personnage. Soit c'est Tom, soit c'est Justin Bieber. Donc l'un dans l'autre. Yay, dépêche-toi, Justin. Non, le bouton. Mais pourquoi vous mettez le thème du mal? Ah mais attends, non, je suis con, c'est le thème de la chambre des secrets, donc si ça se tient. Ah d'accord, c'était un vrai truc. Il y avait vraiment un sanglier géant dans l'école. Ok. D'accord, vous nous faites juste popper devant un truc que je ne peux pas utiliser, c'est très gentil de votre part. D'accord, alors, moi, il ne me voit pas, mais est-ce qu'il le voit, lui? Ah oui, logiquement, il le voit, lui. Aïe, mes oreilles. Parce que s'il le voit, lui... C'est-à-dire qu'il le voit se balader un peu au pif suivant une personne invisible, que lui-même ne voit pas. D'accord, une porte. Oh, Justin, c'est à ton tour. Brille! Oui! Ouvre-toi. D'accord. Ah donc ils pensaient vraiment qu'on allait oublier. Et ils se sont dit ouais, ils vont peut-être oublier. Bonjour toi, tu dors? Eh ben tu meurs. Voilà, allez réveille-toi. T'es mort? Ah non, t'es pas mort. Bonjour. Ah tu vas te rendormir, ok. Ah, j'adore cette musique. Ah, ça le fait danser. Ah, bon, on est d'accord. Aïe. C'était le suicide de Voldemort. À demain.
Yay. Allez, qu'est-ce que tu me donnes? Donne-moi un truc. Il faut que j'en trouve encore deux autres, hein, donc de toute façon... Ah bah, il y en a un là, déjà. D'accord. Voldy, pourquoi... D'accord, Voldy, pourquoi tu n'as rien fait? Je ne comprends pas. D'accord. Et ensuite... Ah non, je suis obligé de jouer... Non, Voldy va être obligé d'utiliser un sort nul. Oh, vous êtes pas gentil, vous avez forcé le maître du mal à faire des trucs nuls. Harry. Harry. Réaction? Pas de réaction, ok. D'accord. Ils sont débiles. Réveille-toi. Allez, il me faut la dernière musique. Where are you? Dernière musique. Fais tout péter. D'accord. Je sais pas si ça fait ça. D'accord. Ah, c'était peut-être fait exprès. Effectivement, c'était juste totalement fait exprès. C'est-à-dire que cette table qui ressemble aux tables qui sautent, bah en fait, c'est pas une table qui saute. Aucun impact. Il tenait déjà sa baguette de manière maléfique, Voldemort. Putain. Oui, de l'argent. Ah, peut-être que je vais être véritable sorcier. Merde, bouton A. Yay. Ouais, d'accord, ça c'est la sortie, je vais éviter d'y aller. J'arrivais plus à retrouver le bouton de saut, je suis désolé. Yay, Serpentard, parce que Serpentard aime la musique. Encore une fois, pourquoi pas. Yay, c'est la fin du niveau. Ah bah du coup, est-ce que j'étais véritable sorcier? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, je vais te tuer, petite araignée. C'est de ta faute, Hagrid. Tu as une petite araignée. Non. La fameuse petite araignée qui a tué tout le monde. Bonjour. Je sais, non, je faisais rien. J'adore comment elles ont une croix, c'est sur le dos. Et bah putain, c'est vraiment une autre vision de... C'est vraiment une autre vision des événements. Hein. Attends, est-ce que je suis véritable sorcier? Ah, Voldemort. Voldemort. Attends, j'en suis à combien? Je suis à... 20 minutes, ouais, bah s'il y a un niveau qui se relance, ça va peut-être être un peu court, donc on va voir ce que ça donne, mais je vais peut-être pas me déplacer jusqu'au prochain niveau. Enfin, je vais me déplacer jusqu'au prochain niveau, mais je le ferai une autre fois. Enfin, sauf si vraiment le niveau le commence là maintenant, je vais sauvegarder et je vous dirai au revoir. Ça va faire un épisode très court, tiens, dis donc. Problème, c'est que ça, les niveaux, il y aura à la fois 20 minutes, et à la fois ils sont trop longs et à la fois ils sont trop courts. Qui font pas un épisode tout seul, mais ils empêchent d'en tourner deux par épisode. Enfin, sauf vraiment dans des cas particuliers où les niveaux se suivent. Je sais plus à quoi servent les carrés rouges au sol, mais je me souviens qu'ils servent à quelque chose.
Donnez-moi le sort de destruction de l'univers, s'il vous plaît. J'arrive pas à descendre. C'est bon, j'arrive à descendre. C'est vrai, maintenant je peux utiliser le polynectar. Eh ben, je sais ce qu'on va aller faire. Ah bah non, j'ai pas le perso. Ah, chiotte. Moi qui étais content, je me dis, ah ouais, mais non, j'ai pas acheté le perso, donc je peux pas. Bonsoir, rien ne m'empêche d'aller l'acheter maintenant. C'est quoi ça? C'est une potion de force? Non, parce qu'on a dit que Justin, il était serre d'aigle, mais moi c'est un poursouffle qu'il me faut. C'est ça, moi je crois que c'est un serre d'aigle. Bah de toute façon je peux pas ouvrir la porte. Ah je suis débile, je peux pas ouvrir la porte. J'ai pas encore le truc. Là on les voit pas les araignées, il y aurait pas le fantôme, j'aurais aucune idée d'où faut aller. Hein. Enfin si, logiquement je dois sortir du château, donc l'un dans l'autre je sais où je dois aller, mais bon. Ça c'est une potion de force ça par contre, je crois. Ou alors ça s'est transformé en polynectar tout seul. D'accord, ça s'est transformé en polynectar tout seul. Voilà. Regardez bande de démons, je suis plus intelligent que vous, j'ai ressuscité Hermione. Je l'ai même dupliqué à ce niveau-là. Yay. Et j'ai toujours pas le balai, ce qui fait que je ne peux toujours pas aller chercher ces pièces là-haut que j'aurais dû prendre la première fois. À 2 millions, c'est pas mal. C'est un fort bon score. Bon, le niveau va commencer là, donc malheureusement, je me serais juste déplacé pour rien. C'est bien. Là, je récupère les pièces, mais je ne passerai pas la porte. Hein. Ah non, toi, tu t'en vas. Ah, mon Dieu, c'est le retour des nanas qui crient. Ouais, voilà. Bon, bref, donc sur ce... parce que je vais pas me relancer dans un niveau tout de suite, sinon l'épisode va durer 20 ans. Je sais plus ce que je dois dire. J'en étais où, moi? Oui, bref, donc, sur ce, l'épisode est donc plus ou moins terminé. Je vais essayer de bien le finir, bien le monter. Donc, l'idéal, parce que là, il est quelle heure? Là, il est 11h à peu près, et l'idéal, ce serait que l'épisode sorte à 17h30 aujourd'hui. Déjà que je... Non, l'idéal c'est qu'ils sortent hier à 17h30. Ce qui est vachement compliqué, vous le concevrez. Bref, donc, je vais me manier, je vais essayer de voir si je peux pas là maintenant tout de suite tourner le deuxième, si j'ai le temps. Comme ça, ça me permettra d'avoir en avance l'épisode pour samedi. Ce qui est bien, ce qui est pratique. Comme ça, j'aurais pas à me jeter dans les « Ah, mordel, j'ai du retard !» Bref. Donc, sur ce, moi dans 10 secondes, vous dans 2 jours. Nous ferons l'épisode suivant, donc le niveau numéro 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième niveau et avant-dernier de l'année numéro 2. Je vous remercie donc, vous mes très chers abonnés, qui un jour ferez ma fierté, la fierté de SNCO, et je vous dis donc, à la prochaine, donc, loupé !